lâcher cette question, je l'entends un milliard de fois. Mais vous voulez pas m'écouter, c'est fou. Je vous ai dit non, non et non. Ne dites pas cette question. Ou la fameuse phrase, ouais, tous les voyants sont éteints. Non, non, dites pas ça les gars, dites pas ça. Pourquoi faut pas dire ces deux choses? On va commencer par les voyants. Si vous montez dans la voiture et qu'il y a un voyant d'allumé, bah vous allez tout simplement pas partir. Vous allez dire, ah bah il y a un voyant monsieur, on va pas partir. Et en plus, en général, vous dites, tous les voyants sont éteints. Par contre, le voyant de frein à main qui est allumé, personne dit rien. Ou les voyants de feu de croisement. Ça, vous osez pas, vous le dites pas, ça. Ça se voit qu'en fait, vous avez juste appris la phrase par cœur et on vous a dit de la dire, vous avez dit, bah toi, je vais la dire, tu vois. Ça, c'est pas bon. Putain, pendant le TikTok, il y a eu un accident au four là-bas. Ça a foutu un bordel. Reprenons. Maintenant, pour cette histoire de ceinture. Ah, juste au passage, like, abonne-toi, ça ferait vraiment plaisir, s'il te plaît, j'ai besoin de toi, merci. Si votre ceinture n'est pas mise, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ce voyant là, il sera allumé. Du coup, si on suit votre logique, ce voyant, il est allumé. Est-ce que tous les voyants sont éteints? Bah non. Du coup, est-ce que je peux partir? Bah non. Du coup, est-ce que j'ai besoin de demander si tout le monde est bien attaché? Bah non. Ah, et au passage, on est majeur et vacciné. On sait s'attacher, merci. Occupez-vous plutôt d'enlever le frein à main et on verra après pour la ceinture. C'est bon, l'accident, il est parti, je vais pouvoir aller au travail.